Chers amis, bonjour. Chose promise, chose due. Nous sommes déjà dans le troisième jour. Je vous avais promis un mot du curé par jour pendant cette période du carême marquée par le confinement. Alors, on a déjà sauté le deuxième jour. Donc, je vous propose que cette vidéo, eh bien, compte pour le jour 2 et 3. Je ne sais pas quelle est votre disposition en ce moment. Je ne sais pas si vous êtes dans la tristesse, si vous êtes dans l'inquiétude pour des proches, pour vous-même, si vous tournez en rond. Dans ces cas-là, je vous assure de ma prière, on essaye de rester liés les uns aux autres. Peut-être au contraire que vous êtes dans la joie et vous n'osez pas trop le dire à vos contacts. Peut-être que vous êtes les doigts de pied en éventail sur votre transat au bord d'une piscine chauffée. Peut-être aussi que vous avez la tête qui explose parce que vos enfants et l'école à domicile vous causent plus de, voilà, vous avez compris, que de joie. En tout cas, quelles que soient nos dispositions les uns les autres, eh bien, nous essayons de rester liés. Aujourd'hui, fête de Saint-Joseph, solennité de Saint-Joseph. Moi, je dois vous dire que je ne peux pas m'empêcher d'être dans la joie. Saint-Joseph, c'est un homme que j'ai ignoré pendant très longtemps. Je vous avoue, quand je suis rentré au séminaire, j'aimais beaucoup la Vierge Marie. J'étais un peu considéré au séminaire comme le Marial de service. Et je ne savais pas trop bien quoi faire de Joseph. Joseph, cet homme silencieux, cet homme un peu austère, cet homme qu'on voyait, qu'on devinait dans certaines églises dans la pénombre, vous savez, la petite statue en plâtre, poussiéreuse, avec ce vieillard barbu, avec son lis un peu pendant. Il n'est pas très intéressant, on ne l'entend pas. C'est celui qui est sacrifié, c'est celui que, voilà, qui doit laisser la place à Marie, laisser la place à Jésus. J'avoue que je ne savais pas très bien quoi en faire. Mais j'ai flairé, et puis grâce à des confrères au séminaire qui m'ont dit, écoute, fais l'expérience, confie-toi à lui, et tu verras en fait que tu le rencontreras un jour ou l'autre. Moi, j'ai eu cette intuition le jour de mon diaconat, de lui confier mon diaconat et mon sacerdoce pour toutes les années. Voilà, je vous le dis, en fait, la présence de Joseph ne me quitte pas. Cet homme, il est la présence réelle. Vous savez, la présence réelle, c'est le mystère de l'Eucharistie. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, il n'y a pas grand-chose pour la vue, il n'y a pas grand-chose pour les sens, on n'entend rien quand on est devant le Saint-Sacrement, on ne voit rien. C'est à peu près le contraire de nos séries Netflix. On entend des choses, nos sens sont, et notre imagination sont saisies. En réalité, il n'y a pas grand-chose derrière. Tandis qu'il y a des gens, j'aime dire qu'ils se rapprochent du mystère de la présence réelle, ils ne donnent pas grand-chose à voir. Ils ne cherchent pas à capter notre attention, à nous séduire, et en fait, ils sont réellement, ils sont bien présents. Mais Joseph, c'est cette présence massive, réelle. Voilà, donc je voudrais vous souhaiter une très joyeuse fête de Saint-Joseph. Et figurez-vous, quand il y a une solennité, eh bien, le carême, ça ne marche pas. Donc, on arrête le jeûne. Alors, je vais boire à votre santé, je vais boire à la santé de Saint-Joseph. Est-ce que vous connaissez la Vertueuse, cette bière qu'on achète au sanctuaire de Montlygon? Vous avez la conscience tranquille quand vous commencez à la boire parce que vous savez qu'une petite bière vous fait grandir en vertu. Vous avez le choix entre les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, ou une des quatre vertus cardinales, la prudence, la tempérance, la force et la justice. Voilà, pour Saint-Joseph, on a le choix, je dirais, entre la force et la justice, ben en fonction de la durée de notre topo, on va voir combien on va en vider. Moi, je vous propose de choisir, eh bien de choisir la justice, parce qu'on dit que Joseph était l'homme juste, l'homme ajusté, celui qui est toujours à la juste place, celui qui respecte la place prioritaire de Dieu d'abord, et ensuite qui se situe par rapport à celle qui doit servir, les deux qui doivent servir, Jésus et Marie. Vous voyez, cette statue est assez belle. Elle nous représente Joseph, maître de l'intériorité. Vous voyez, il est tout entier recueilli. Il est recueilli avec sa main et il protège deux colombes. Alors, c'est évidemment une allusion à la scène de la présentation au temple, quand le père et la mère de l'enfant, 40 jours après sa naissance, ont été présentés Jésus au temple. Et puis il n'avait comme offrande que deux petites colombes. Alors on aime bien représenter Joseph avec ces deux colombes qui protègent, et vous avez compris que les deux colombes qu'il a pour charge de protéger, lui le gardien des mystères de Dieu, comme dit la liturgie, eh bien c'est l'Immaculée Conception, Marie, qui lui a été confiée,
évidemment, c'est le Fils de Dieu, Jésus, dont il a la charge sur lequel il a veillé, et il va le protéger, évidemment, contre la fureur d'Hérode, par exemple. Puis par la suite, c'est lui qui va accompagner le développement de Jésus, c'est lui qui va avoir pour charge de l'éduquer, au fond, c'est quand même quelque chose qui fait frémir. Attention, je vais essayer de ne pas inonder mon bureau. Une bière qui est un peu tiède, je vous l'avoue. Voilà, est-ce que cette bière de justice va faire grandir en moi le sens de la justice et cette vertu? Eh bien, vous aurez peut-être l'occasion de le vérifier dans les jours qui viennent, après le confinement. Voilà, soyez bénis, bonne fête de la Saint-Joseph. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous entretenir, justement à propos de Joseph, de quelque chose qui n'est pas souvent traité. C'est la manière dont Joseph a éduqué Jésus. En fait, vous savez que dans les évangiles, il nous est dit très peu de l'enfance de Jésus. En réalité, les trois évangiles synoptiques, Luc, Marc et Matthieu, s'entendent à peu près, pour l'essentiel, sur les grandes lignes, sur le ministère public de Jésus. C'est-à-dire que ces évangiles nous relatent les grandes étapes de la vie de Jésus entre sa 30e et sa 33e année, si on considère qu'il a commencé son ministère public à l'âge de 30 ans. Je ne vais pas m'attarder sur cette question-là, on pourra revenir peut-être un jour dessus. Toujours est-il que ce sont les trois années de vie publique, c'est-à-dire ces trois années qui séparent le baptême de Jésus, le moment où il est entré pleinement dans sa vie publique, où il est sorti de la vie cachée à Nazareth, jusqu'au mystère de sa passion, les trois jours qui séparent la mort de sa résurrection, puis l'ascension 40 jours après la Pâque. Donc très peu sur l'enfance de Jésus, seuls deux évangélistes ont fait une petite enquête qui leur est propre. Vous avez d'abord Saint Luc, vous savez que Saint Luc est le seul des trois évangélistes qui n'a pas été témoin oculaire de la vie de Jésus. Lui-même, il a été converti par la prédication, probablement de Paul, d'un autre. Et donc, il a une approche qui est très intéressante pour nous, qui n'avons pas rencontré oculairement Jésus non plus. Nous sommes un peu dans la même situation que lui. Alors Luc, son évangile, c'est une lettre qui est adressée à un certain Théophile. Théophile, c'est celui qui aime Dieu ou celui qui est aimé de Dieu. Ça peut être chacun d'entre nous. Donc lorsque nous lisons l'évangile de Luc, il nous concerne. Et il s'adresse au début de son évangile en disant « Cher Théophile, eh bien, j'ai fait une enquête, je le dis approximativement, hein, pour ne pas alourdir cette vidéo, j'ai fait une enquête pour que tu sois assuré de la solidité des enseignements que tu as reçus, et je suis allé voir les témoins oculaires. » Luc écrit, sans doute, quelques années après tous les événements. Donc, il y a encore beaucoup de témoins oculaires. Ce qui est intéressant, c'est que juste après, nous avons deux chapitres, le chapitre 1 et 2 de l'évangile de Luc, qui nous parlent de l'enfance de Jésus, avec des étapes intéressantes, fondamentales, l'Annonciation. L'ange Gabriel vient annoncer la conception et la naissance de l'enfant à Marie, puis la Visitation, cette rencontre merveilleuse entre Marie et sa cousine Élisabeth, qui porte en elle le petit Jean-Baptiste, etc. Alors l'Annonciation, quels sont les témoins oculaires? Eh bien, il y a l'ange, alors on pourrait supposer que l'ange est allé visiter Luc, mais plus probablement, le seul témoin oculaire est la Vierge Marie. Donc Luc nous présente l'enfance de Jésus vue à travers le regard de Marie. Et de fait, nous avons l'Annonciation à Marie, nous avons la Visitation, ce sont des événements très intimes pour une mère qui porte un enfant, la conception de l'enfant, ce qu'elle vit dans son rapport pendant la vie intra-utérine, etc. Alors est-ce que nous avons le pendant dans l'évangile de Matthieu? Ben, précisément, Matthieu, lui aussi, ajoute au début de son évangile, avant le ministère public, deux chapitres sur l'enfance de Jésus. Et si nous regardons, eh bien nous avons les mêmes événements vus non plus à travers le regard de Marie, mais à travers le regard de Joseph. Nous avons le parallèle de l'Annonciation à Marie, nous avons l'Annonciation à Joseph. Vous savez, cette scène que nous avons lue, nous pouvions lire, c'était un des deux évangiles possibles de la fête de Saint-Joseph, à savoir l'Annonciation à Joseph. Vous savez, quand il découvre que sa femme est enceinte, il décide de la répudier en secret, mais l'ange Gabriel vient le visiter dans la nuit et lui redonne sa place. Voilà, donc pour connaître Joseph,
Eh bien, il faut regarder les deux premiers chapitres de l'évangile de saint Matthieu. Et on voit des choses très intéressantes. En réalité, on voit peu. On voit peu parce que tout est enveloppé dans l'ombre. Une étymologie nous dit que Nazareth, le nom Nazareth, veut dire celle qui cache. C'est celle qui a caché Jésus. Qu'est-ce qu'elle a caché en Jésus? Elle a caché son identité de fils de Dieu. Ce mystère a été enveloppé de silence de silence pour qu'il soit caché d'abord au diable, qui a des informateurs partout, et qui sera informé finalement de cette entrée du Fils de Dieu qu'il redoutait depuis qu'il a pris le pouvoir en entrant dans le jardin d'Adam et Ève, le prince de ce monde, comme dira Jésus. Eh bien, il sait que un combat va être mené depuis qu'il a été annoncé qu'un descendant d'Ève viendrait lui écraser la tête. Donc, il s'est positionné, le diable. Et pourtant, pendant 30 ans, Jésus, le Fils de Dieu, va se cacher à Nazareth sans qu'il en soit informé. Et c'était la charge de Joseph d'envelopper de protection et de silence la véritable identité de Jésus. L'aider à grandir dans le silence, le protéger contre précisément les mauvaises intentions de l'adversaire. Donc ces 30 années de vie cachée, elles sont véritablement cachées. Elles sont cachées et nous ne savons quasiment rien, peu de renseignements dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc. Mais nous savons que Joseph a vécu tout ce qu'un père juif, un père hébreu, fait vivre à son fils. Et c'est là que c'est intéressant, et c'est là qu'il nous faut connaître la tradition juive. Vous voyez, c'est un grand problème que les chrétiens ne soient pas au fait plus de la tradition juive. On pourra revenir là-dessus. Par exemple, la messe est incompréhensible si on ne connaît pas la profondeur de la liturgie du temple, de la synagogue et même de la liturgie domestique, qui sont les trois lieux liturgiques dans la tradition biblique de l'Ancien Testament. On ne comprend rien à la messe, on ne comprend rien à ce qu'on va vivre dans quelques semaines, Pâques, si on ne comprend pas l'arrière-fond biblique, l'arrière-fond de l'Ancien Testament, avec la Pâque juive, celle que Jésus va revisiter. Alors je voudrais, on reviendra peut-être dans nos vidéos sur ces points-là, ce serait très intéressant, mais je voudrais attirer votre attention sur quelque chose que Joseph a vécu avec Jésus. Joseph est le père de famille, et donc il est le premier représentant, il est le premier, il est celui qui préside à la prière liturgique. Ça, c'est un point très très important. Et là, je m'adresse à vous, les pères de famille. Je pense à cet homme, Damien Stein, qui était venu il y a 2 ans et qui est encore venu l'année dernière. C'est un Anglais charismatique qui remplit les stades un peu partout dans le monde parce qu'il a un don de guérison, il a des charismes de délivrance aussi. Et surtout, il fait des enseignements pour transmettre cette autorité spirituelle avec cette idée que tous, nous avons à prendre notre part de ce ministère qui est le ministère de guérison de l'Église. Voilà. Et après 3 jours d'enseignement auxquels j'avais participé, qui était passionnant, il s'est adressé en off à tous les hommes qui étaient dans la salle à la fin, et il leur a dit, messieurs, j'ai deux choses à vous dire, deux choses importantes. La première, c'est est-ce que vous savez que dans les familles dans lesquelles la foi n'est pas partagée, c'est-à-dire seul, par exemple, ou seul le père de famille a la foi, alors que son épouse ne l'a pas, eh bien, cette foi se transmet beaucoup plus facilement que dans les familles où les deux parents ont la foi. Vous avez bien entendu. Dans les familles où seul le père a la foi se transmet plus efficacement que dans les familles où les deux parents ont la foi. Comment expliquer ça? Vous avez bien entendu, ça paraît très paradoxal. Peut-être que ça vous choque, certains d'entre vous. C'est la réalité, paraît-il. Eh bien, vous l'avez compris, la différence, c'est quand seul le père a la foi, il est obligé d'exercer le leadership. C'est lui qui prend les initiatives, c'est lui qui propose la prière, c'est lui qui emmène ses enfants à la messe. C'est lui et non pas la mère qui doit toujours insister pour ça. C'est très intéressant, c'est très curieux, parce que d'une certaine manière, les enfants ont besoin de voir leur père prendre le leadership dans le domaine justement où ils voudraient déserter, qu'ils voudraient déserter. Les hommes, ils prennent le leadership dans le travail, dans beaucoup de domaines, dans le sport, etc. Mais dans le domaine qui concerne le cœur,
Vous savez, Adam a eu son cœur ouvert au moment de la création d'Ève. Et bien précisément, dans ce domaine du cœur, c'est-à-dire de la foi, mais aussi des sentiments, et bien l'homme se tait trop souvent. Et justement, toute la tradition biblique demande à l'homme de prendre le leadership, de présider. Vous avez bien compris que ça ne veut pas dire que l'homme est supérieur dans ce domaine à la femme. Au contraire, c'est justement parce qu'il a tendance à déserter en disant, et combien de fois j'ai pas entendu des pères de famille dire « Oui, vous savez, mon père, dans la famille, le moteur, c'est ma femme. » Comme si une voiture, eh bien, elle se contentait d'un moteur, il faut aussi un volant. Eh bien, le moteur, c'est peut-être la femme, dans le domaine du cœur, de la prière, de l'engagement spirituel, mais il faut quelqu'un pour tenir le volant. Et précisément, si dans la tradition biblique, c'est l'homme qui préside, et par la suite, c'est le prêtre qui est le prêtre est un homme, c'est pas parce que les hommes sont supérieurs aux femmes, c'est au contraire parce qu'ils veulent se carapater dans ce domaine-là. Donc il faut les pousser à tenir leur place. L'homme juste, c'est celui qui tient sa place alors qu'il aurait toutes les raisons de se dire qu'il n'est pas légitime. Et combien Joseph peut se dire qu'il n'est pas légitime ? Il est avec le Fils de Dieu, il est avec la Toute-Sainte, l'Immaculée Conception, et puis cet enfant qui est né de la chair de Marie et son fils unique, lui, il n'a pas eu de part charnellement à cet engendrement. Et pourtant, l'ange dira à Joseph, c'est toi qui lui donneras le nom de Jésus. C'est-à-dire, c'est toi qui vas l'aider à entrer dans son identité de Jésus. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Et c'est toi qui vas faire comme tous les pères, c'est toi qui vas lui transmettre la parole, la Torah. C'est toi qui vas lui transmettre la sagesse de Dieu. C'est toi qui vas l'enseigner. Jusqu'au jour où à 12 ans, il deviendra bar mitzvah, c'est-à-dire fils du commandement, fils de la parole, et il prendra solennellement la parole, c'est-à-dire qu'il lira un des extraits de la Torah le jour du sabbat dans l'assemblée synagogale, et c'est-à-dire qu'il sera introduit dans le monde des hommes. Alors vous comprenez que c'est incroyable, parce que Joseph, eh bien, il va apprendre, il va transmettre la parole de Dieu à la parole de Dieu, puisque Jésus est le Verbe fait chair. Il est celui aussi qui va présider la prière, alors qu'il a à côté de lui, eh bien, l'Immaculée Conception, donc il pourrait dire, bah, je te laisse le soin de le faire, et le Fils de Dieu, encore plus, qui attend à lui apprendre, puisqu'il est de toute éternité le Fils de Dieu, il n'est pas devenu un jour de sa vie terrestre. Donc voyez comment Joseph peut nous aider à une époque où les pères de famille, les hommes, eh bien, ont souvent tendance à déserter. Ils se sentent pas tellement légitimes, ils se sentent souvent très pauvres dans le domaine de la prière, dans le domaine de la vie spirituelle. Et puis souvent ils se sentent pauvres parce que, et illégitimes parce qu'eux-mêmes se savent pécheurs. Donc qui suis-je pour transmettre quelque chose que je ne vis pas moi-même ? Vous voyez ça, il faut liquider une bonne fois pour toutes ce piège. Sinon, aucun prêtre, aucun témoin de Dieu ne témoignerait jamais. Nous ne témoignons pas d'abord de ce que nous vivons, nous témoignons de quelque chose, d'une parole qui nous traverse et qui est plus grande que nous. Et il y a peut-être plus d'humilité à accepter de témoigner d'une parole qui nous dépasse que d'une parole qui serait sous notre contrôle. Donc Joseph est très pauvre et pourtant, eh bien, il ne déserte pas. Il ne déserte pas, il tient sa place et notamment il tenait sa place en famille. C'est-à-dire que c'est lui qui présidait à la prière. Voilà, retenez ça, c'est que vraiment c'est au père de prendre le leadership. Je vais faire une deuxième parenthèse, une petite parenthèse, ce Damien Stein dont je vous parlais, il disait aussi une deuxième chose. Il disait, moi quand je me suis marié, j'ai pris la résolution de passer, écoutez bien, une heure par jour avec ma femme et chacun de mes enfants, il en a deux. Une heure par jour pour être avec eux, pour être avec elles, et pas pour les transformer, pas pour faire passer un message, mais pour être simplement, gratuitement, avec eux, avec elles, c'est-à-dire avec mon fils de 14 ans, avec ma fille de 12 ans, qui veut jouer à toutes sortes de choses, avec mon épouse. Et vous voyez, l'autorité spirituelle dont cet homme fait preuve lorsqu'il est en phase d'assemblée, dans des enseignements charismatiques, eh bien, en réalité, elle est crédible uniquement si il exerce son autorité dans le contexte familial. Et qu'est-ce que c'est que l'autorité ? Ce n'est pas de l'autoritarisme, c'est de la présence, une présence dans l'amour.
une présence réelle, comme je disais à propos de Joseph. Eh bien, Joseph exerce l'autorité, c'est lui qui a le leadership dans la Sainte Famille. C'est sans doute le moins saint des trois, et c'est pourtant à lui qu'il revient d'exercer le leadership. Vous savez, on pourrait développer ce sujet-là, il y aurait beaucoup de conséquences dans la vie de l'Église. Quelquefois, il y a des contestations par rapport à la hiérarchie de l'Église. Pourquoi est-ce qu'on suivrait des hommes, essentiellement des hommes, dans la hiérarchie de l'Église catholique, qui ne sont pas forcément plus saints que les autres? Mère Teresa obéissait et recevait l'Eucharistie des mains d'un prêtre ou d'un évêque qui lui arrivait pas à la cheville. C'est notre expérience quotidienne, nous les prêtres. C'est que nous servons, nous exerçons un certain leadership à l'égard de personnes qui nous dépassent infiniment dans l'ordre de la sainteté. C'est ce que Joseph a vécu. Alors, elle est très bonne, je pense que je vais vous dire. Ah oui, je vous la conseille, la justice. On se sent tout de suite plus ajusté. Donc, ce Joseph, eh bien, je voudrais vous introduire juste un acte liturgique qu'il a vécu et qui nous éclairera beaucoup sur ce que nous allons vivre pendant la Semaine Sainte. Tous les ans, les Juifs se réunissaient pour fêter la Pâque. Tous les ans, les Juifs, et nous allons le voir pendant la Semaine Sainte, Jésus volontairement va vivre sa propre Pâque. Pâque, ça veut dire le passage d'un état à l'autre. Eh bien, va vivre son passage, nous savons, de la mort à la résurrection, sa Pâque à lui, au moment où les Juifs fêtent la Pâque, qui commémore le passage de l'Égypte, c'est-à-dire de la servitude d'Égypte, à la liberté de la terre promise. C'est vraiment le grand événement central, la source et le sommet de toute la vie du peuple hébreu. Et donc, en réalité, ça ne s'est pas toujours vécu comme ça. Hein. Cette liturgie, qui est essentiellement une liturgie domestique, c'est-à-dire au sein de la famille, eh bien, elle s'est surtout déterminée pendant les années de l'exil, on pourra revenir là-dessus. Hein. Les Juifs ont recentré toute leur vie religieuse, spirituelle, autour du cercle familial. C'est intéressant parce que, de la même manière, c'est au moment, en 587 avant Jésus-Christ, le temple de Jérusalem, où se déroule toute la vie liturgique, sacrificielle, est rasé par Nabucodonosor, c'est une catastrophe épouvantable, et les Juifs sont disséminés partout, l'élite du peuple juif est envoyée en exil, en Babylonie, si vous voulez comprendre ce passage-là, vous voyez le livre de Daniel, vous voyez le livre de Tobie, cette situation terrible de la diaspora. Alors, de deux choses l'une, soit eh bien, on abandonne tout, soit on se recentre, et on se recentre sans le temple, sans le culte sacrificiel. Alors, sur quoi est-ce qu'on se recentre? Eh bien, sur deux éléments de la liturgie synagogale, c'est-à-dire qu'on se réunit au minimum à 10, et on lit la parole chaque sabbat, on lit un rouleau de la Torah, un passage de la Torah, puis un passage des prophètes, et l'un des hommes qui est là va faire une petite homélie. Et puis, il y a surtout la liturgie domestique, c'est-à-dire dans le cercle familial présidé par le père de famille. Et ça, ce sera maintenu à l'époque de Jésus, alors même que le temple aura été reconstruit, qu'il aura été magnifié par Hérode. Eh bien, ce magnifique temple, l'essentiel de la liturgie ne se déroule pas là. Vous voyez, ça peut avoir un écho pour nous aujourd'hui, parce que vous ne pouvez pas aller dans les églises. Saint-André, notre petite église, elle est fermée, mais peut-être qu'il peut y avoir un regain, un sursaut de prière familiale. Et là, messieurs, pères de famille, prenez le leadership. Voilà. Alors, un événement de cette liturgie domestique, le sommet, c'est la fête de la Pâque. La fête de la Pâque, elle est attendue, elle est préparée, je vais aller très vite là-dessus, mais lors de la fête de la Pâque, eh bien, le rôle du père et puis le dialogue entre le père et puis sa famille était ritualisé. En fait, qu'est-ce qui se passe? La veille du jour de Pâques, au moment du coucher de soleil, chaque père de famille va au temple avec son fils aîné, ses enfants sans doute, ou alors si une famille est trop pauvre, eh bien, plusieurs familles se réunissent et puis ensemble on achète ou on apporte un petit agneau. Alors cet agneau, il doit être, il y a beaucoup de règles, hein, dans le livre du Lévitique, il doit être intact, il doit être pur, il doit être, les os doivent être intacts, ils ne doivent pas avoir les os brisés. On verra, il y
Et pourquoi c'est important, notamment dans le déroulement de la passion de Jésus-Christ, tel qu'il nous est relaté par saint Jean en particulier. Donc, le père de famille va présenter cet agneau au prêtre, au temple. Et puis, l'un des prêtres va sacrifier l'agneau et il va le tuer, il va l'égorger et surtout, il va le vider de tout son sang. L'animal doit être entièrement vidé de son sang et le sang va être recueilli dans un vase que va porter, par exemple, le fils. Et puis, le père et le fils vont ramener l'agneau et le sang à la maison. L'agneau va être donné à la mère qui va préparer, qui va le faire rôtir dans des herbes, etc. Une recette particulière. Et pendant ce temps-là, eh bien, le père va garder le sang de l'agneau. Et avec un ustensile, avec un roseau, eh bien, il va en induire le linteau de ses portes, de la maison. Très curieux. Donc on va peindre en fait le linteau des portes avec le sang de l'agneau. Et le petit garçon va poser la question à son père, d'abord, papa, pourquoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? Il répondra, parce que cette nuit, nous sommes libérés d'Égypte et nous passons de l'Égypte à la terre promise. Vous voyez, les Juifs, 1250 ans après l'événement, à l'époque de Jésus, eh bien, continuent à considérer que cet événement du passage de l'Égypte à la terre promise est contemporain. Nous le revivons. En fait, Dieu est toujours celui qui nous fait passer d'Égypte à la terre promise. Jésus, d'ailleurs, nous fera passer de l'Égypte, de quelle Égypte? De quel esclavage à quelle libération? C'est la question. Mais cette nuit, nous passons. Et cette nuit, tu vas être protégé, mon fils, premier-né. Parce que vous savez que pendant la nuit de la Pâque, l'ange exterminateur, l'ange de Dieu, eh bien, va exterminer tous les premiers-nés d'Égypte et passera au-dessus des maisons qui sont marquées du sang de l'agneau. Et donc sera protégé le premier-né d'Égypte. Celui qui était condamné avant, parce que. Vous savez, l'ordre que Pharaon avait donné à l'époque de Moïse, et dont Moïse a miraculeusement été protégé, c'est celui de tuer tous les enfants de sexe masculin qui ouvraient le sein maternel. Donc en fait, le petit garçon apprend qu'il est protégé par le sang de l'agneau, parce que l'ange de Dieu va, en voyant le sang de l'agneau, passer outre. Donc, vous voyez, c'est très important. Et puis ensuite, une fois ce rituel accompli, eh bien, le père et ses enfants vont entrer dans la salle sur laquelle est dressée la table pour la Pâque. On va commencer à célébrer la Pâque au moment où le soleil se couche, parce que toutes les fêtes juives commencent la veille au soir. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, premier jour, deuxième jour, troisième jour, dans le livre de la Genèse. On passe toujours des ténèbres à la lumière. Ça, c'est vraiment un signe d'espérance. On passe de la nuit à la lumière. C'est l'inverse de ce qu'on pense en général chez les païens. C'est-à-dire qu'on est jeune, on est beau, on est lumineux au début, puis après on décline. Eh bien, avec Dieu, on passe toujours vers une espérance plus grande. Donc, on commence la liturgie. Et puis, vous voyez, un peu comme ici, alors j'ai fait rapidement, hein, il y a une table basse au milieu. Il faut imaginer que les Juifs, à l'époque de Jésus, ne s'assoient pas comme nous sur des fauteuils. En fait, il n'y a pas, vous voyez, le verre à pied, l'assiette et puis les couverts autour. Non, on est couché en épi autour de la table. Vous voyez, on est couché, on est étalé et puis sur le coude gauche, on s'appuie et la main droite est libre pour aller se servir sur la table. Vous voyez? Donc ça fait quelque chose de très chaleureux, très fraternel parce qu'on est en épi. Et puis, on verra pendant la passion de Jésus que. Eh bien, on peut être très proches les uns des autres. Jean, qui est à droite de Jésus pendant la Passion, bien, sa tête est toute proche du cœur de Jésus. Voilà. Et donc le Père est à la position principale, il préside, et puis la table est dressée. Alors qu'est-ce qu'il y a sur la table? Eh bien, en fait, il y a deux coupes, ou deux extrémités. Il y a une coupe dans laquelle il y a un vin avec des herbes amères. Vous voyez, quelque chose qui est comme un mauvais sirop, vous savez, les médecins vous prescrivent de prendre du sirop contre la toux, c'est dégoûtant, mais c'est nécessaire pour vous soigner. Eh bien, il y a un vin avec des herbes amères.
Et puis il y a de l'autre côté, au contraire, un vin qui est savoureux, qui est délicieux, qui est sucré. Entre les deux, vous avez deux plats. Vous avez un plat dans lequel a été déposé l'agneau, alors l'agneau sans le sang, vous l'avez compris, et puis un plat sur lequel a été déposé, ont été déposées, eh bien, des tranches de pain sans levain. Aujourd'hui, les hosties qu'utilise le prêtre, eh bien, c'est du pain sans levain, parce qu'il n'a pas levé. Pourquoi ? Parce que pendant la nuit de la Pâque, eh bien, il a fallu manger en hâte. Et donc, le pain n'a pas eu le temps de lever. Et comme vous l'avez compris, cette soirée, cette veillée de prière de la Pâque juive, eh bien, cette veillée de la Pâque, elle mime d'une certaine manière ce que les pères, les ancêtres ont vécu lors du passage et de la sortie d'Égypte. Eh bien, on se tient d'ailleurs le bâton à la main, on est prêt, les sandales aux pieds, le bâton à la main, parce qu'on est dans une sorte d'urgence. Pensez à ce que vous avez vécu peut-être il y a 2 jours ou 3 jours, on vous disait « dépêchez-vous, vous n'avez plus que quelques heures pour aller vous confiner hein ». Alors, ben, il a fallu remplir la voiture rapidement. Bon, c'était moins dramatique que dans cette situation-là, mais voyez, le père de famille est le bâton à la main, les sandales aux pieds, et puis il agit dans l'urgence parce qu'il est urgent de quitter l'Égypte. Voyez, il est urgent de sortir de cet état pour entrer dans un état nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Ben, écoutez, il y a tout un dialogue, hein, dont je ne vous dirai pas le détail, entre le fils aîné et son père. Et c'est une catéchèse, mais une catéchèse très vivante, voyez, où le père répond aux questions rituelles de son fils. Alors, vous l'avez entendu, « Papa, pourquoi cette nuit est-elle différente des autres ?»« Parce que cette nuit, nous sommes libérés d'Égypte. » Ok. Et question du fils, « Mais papa, c'était si terrible, l'Égypte, c'est si terrible. » Oui, l'Égypte, nous sommes esclaves et nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas servir Dieu. Nous sommes esclaves de Pharaon. Et c'est si terrible ça, papa. Oui, tu vas voir, goûte l'amertume de l'Égypte. Et le petit garçon, de goûter eh bien, ce vin qui est mêlé d'herbes amères, et il va goûter, pouah, c'est dégoûtant. Et là, tu vois, c'est amer. Laisse-le descendre en toi, c'est amer comme l'esclavage. Et les Juifs savent déjà, évidemment, que le véritable esclavage, c'est l'esclavage du péché. Nous sommes tous esclaves d'une manière ou d'une autre lorsque nous sommes pécheurs. Et nous sommes esclaves de qui ? De celui qui est représenté par Pharaon. Vous savez, Pharaon, avec sa toque et puis son petit serpent, eh bien, c'est celui qui a pris le pouvoir sur l'humanité depuis le péché originel. Donc nous devons nous libérer de cela. Donc nous allons passer, nous allons obéir à Dieu et nous allons nous laisser protéger par le sang de l'agneau dont nous allons manger la chair ce soir. Donc d'une certaine manière, voyez, nous nous assimilons à ce mystérieux agneau. Il y a quelque chose de très mystérieux, hein, pour revenir sur toutes les allusions à l'agneau sacrificiel dans l'Ancien Testament, et notamment chez Isaïe. Mais voyez, en mangeant la chair de l'agneau, nous recevons comme une force en nous qui nous permet de passer de l'amertume à la promesse, eh bien la promesse de cette terre que Dieu, dans laquelle Dieu nous fait entrer, la terre promise, où ruissellera le lait et le miel. Vous savez, le lait et le miel, entre parenthèses, savez-vous que c'est pour cette raison que dans la tradition chrétienne, nous donnons des dragées au baptême, parce que le baptisé est entré dans la terre promise, et donc le lait et le miel, eh bien, il faut que ce soit des dragées en sucre, hein, c'est l'aspect miel, et puis à l'intérieur, vous avez une amande, et c'est le lait d'amande, voilà. Et alors, le petit garçon va dire, c'est si formidable cette terre promise, ben oui, goûte, et il va goûter, peut-être pour la première fois, du vin, et un bon vin, je pense que c'était un vin très sucré. On aurait du mal à le boire aujourd'hui parce qu'on est devenu très difficile. Hein. Ceux qui sont allés en Terre Sainte et qui ont bu du vin de Cana, ils n'ont peut-être pas été émerveillés. Bon, parenthèse fermée. Et donc le petit garçon va boire et il dit c'est délicieux. Et bien tu vois, c'est le vin de l'Alliance. C'est la sobre ivresse de l'Esprit Saint. Le petit garçon a peut-être la tête qui tourne un peu, mais il est dans la joie. Voyez. Et bien c'est l'ivresse parce que Dieu répandra le vin nouveau dans la terre promise. Voilà. Et pour cela, il faut passer de l'un à l'autre, il faut manger la chair de l'agneau, et j'ai oublié ce qu'il fallait manger aussi, ce sont les galettes de pain sans levain.
Voyez comme dans quelques rites, le Père prend toute sa place. D'abord, il pose un acte d'autorité. C'est moi, le Père, qui protège ma famille contre le mal. Et donc, par le sang de l'agneau répandu sur le linteau des portes, je protège mes enfants. Je prends autorité au nom de Jésus. Enfin, je le dis déjà au nom de Jésus, parce que vous avez compris que l'agneau, ce sera Jésus. Je vais un peu trop vite. Mais je prends autorité, je protège ma famille. Et puis, je la fais entrer dans cette communion avec cet agneau mystérieux qui nous fait passer de l'amertume d'Égypte à la joie et à la sobre ivresse de la terre promise. Et pour cela, il faut manger la chair de l'agneau. Et il faut prendre des forces, il faut manger le pain sans levain. Voilà. Vous avez vu, quand même, c'est très ramassé. Alors, pour maintenir le suspense, eh bien, sachez qu'on va parler la fois prochaine de la dernière scène, la manière dont Jésus revisite tout ce rituel lors de ce fameux repas du Jeudi Saint. Je vous peux le dire, je vous vends déjà quelques mèches. Eh bien, ce soir-là, il n'y aura pas la coupe des herbes amères. Elle ne sera pas sur la table. La deuxième chose qu'il n'y aura pas sur la table, c'est l'agneau. Il y aura les pains sans levain et le vin de l'alliance nouvelle et éternelle, c'est-à-dire le vin de l'entrée dans la terre promise. Essayez de comprendre pourquoi, le soir du Jeudi Saint, eh bien, les apôtres auront la surprise, parmi beaucoup d'autres surprises, de ne pas voir le vin avec les herbes amères et de ne pas voir l'agneau sur la table. Où est l'agneau? Où est cette coupe douloureuse que Jésus ne présente pas à ceux qui sont ses enfants, c'est-à-dire les apôtres. Autre surprise, ce soir-là, eh bien, on anticipe le repas de la Pâque, parce que le repas de la Pâque devait avoir lieu à partir du vendredi soir. Or, Jésus réunit ses apôtres le jeudi soir. C'est-à-dire qu'il anticipe le repas de la Pâque des Juifs, et qu'au moment où les autres, c'est-à-dire les familles juives, se réuniront, au moment où elles sacrifieront les agneaux au temple, eh bien Jésus, lui, sera sur la croix. Au moment où on versera le sang des agneaux au temple, eh bien Jésus aura versé son sang jusqu'à la dernière goutte. Voilà, je vous ai offert plusieurs pistes pour réfléchir là-dessus, mais ce sera le propos de notre prochaine vidéo. Comment Jésus a vécu cette liturgie de la Pâque et comment il l'a revisitée. Vous voyez, je crois que c'est important de pouvoir en parler au milieu du carême, puisque nous sommes dans la mi-carême, pour petit à petit nous diriger vers ce qui est le sommet de notre vie et qui est le mystère de la Pâque. Soyez bénis, belle liturgie domestique, et messieurs, à vous le leadership. Amen.